Shake ton booty. Réserve de 3 contre Thionville-Lusitanos. C'est tout? C'est parti. Attends, je le refais. Parce que... Réserve de 3, Thionville-Lusitanos. C'est parti. Aujourd'hui, voilà, tout ce truc-là, c'est notre héritage, c'est notre travail. Maintenant, il faut prendre des points. Voilà gros, dealer gros. Déjà avant l'entraînement. Ouais, regarde, regarde, là, c'est calme, c'est bon, les calmes. C'est bon, les calmes, No World, comme Samir. Il y a trop No World, bientôt, c'est une série No World. Oh la vache. T'es chaud, toi. Tranquille, laisse-moi. Putain, t'es beau, toi. C'est toi, t'as fait dégrader. T'as fait chez qui? Wesh. Ah, mais attends, c'est No World, no Ice. Rien du tout. Oh, oh, ça va l'animal. No World, c'est tout. C'est l'animal, le nouveau, ça va ou quoi? Présente-toi en 2-2, frérot. Moi, je suis Mouki, nouveau joueur. Non, prénom, frère, commence pas à lâcher des... T'inquiète, on mettra le surnom, mais tranquille. Allez, moi, je suis Michael, je suis nouveau joueur, attaquant, 24 ans, tu connais. Il vient d'où l'accent? Luxembourg. Luxembourg. Restaurant au club, le même que monsieur là-bas ou quoi? Fola? Fola gang. Il a dit Fola gang. Oui, je calo. Ah, moi les gars, trop de travail, tu le travailles, je suis KO là. Le bonnet de butin. Ça va ou quoi? Le bonnet de butin. La gueule que j'ai, ça. Je me vois dans la petite caméra là. T'es prêt pour ce week-end? Ouais, et toi? Ouais, ça va. On est en forme. Là, on est en forme. On a repris un peu de force, on en avait besoin, je crois. Ah ouais, ça a enlevé le bonnet. Je me gratte. Beau, je prends le T'aimes bien ma nouvelle coupe, quoi. Un peu court, hein. Franchement, ça, ouais, c'est vrai que quand on voit au début, on se dit putain. Moi, ça me choque un peu. Ouais, hein. T'as fait un petit carré plongeon, là. Vas-y, c'est bon. Les mèches caramel, c'est bon. Non, double couleur. Workout. Là, c'est bon, les gars. Je vais dans le vestiaire un peu, les gars. Faire de même, d'ailleurs, c'est ma paire, ça. Vas-y, avant tout problème, ça. Avant tout problème, vas-y, tiens. Ça, c'est bon. Avant que tu me foutes à ma paire, 42,5, comme tu m'as demandé. Tiens. Merci, frérot. C'est bon, c'est ton quoi aujourd'hui? Oh, j'ai quelqu'un qui les a mis, quoi. Non, toutes neuves. Regarde, moi j'ai pris ça. Tu veux? Wesh, tu dis pas merci. En 2 secondes, on l'a gagné. Petit mauvais, c'est toi, je t'ai passé une paire, on l'a plus jamais revu ici, de toute façon. Non, il a passé l'ancien modèle, j'ai rien dit après. Non, il n'y a pas de soucis pour les uns. Ça va, Pierrot? Petit beau, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu connais. Oh, Christy. Super cher. Oh, bonjour. Bonjour. Comment c'est, beau gosse? Ça va ou quoi? C'est beau gosse, quand même. Salut. Hâte de venir bosser avec moi.
Il me parle plus de chauffage que de foot. Regarde. Ouais, c'est vrai, moi j'aimerais bien. Attends, t'es beau toi aussi. Oh, mais gros, il y a trop de dégradés ici. Lourd les petits ponts. Wesh. Changez un peu, taper. En mode taper. Lourd les petits ponts. T'aimes bien? Parce que je m'adapte, parce que j'ai reçu des chaussures roses, il faut que je vienne en rose. Avant, t'avais les Balenciaga Triple S en rose, là tu m'as mis tes New Balance. Ouais, t'aimes pas? Non, 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 mélange pas tout. C'est mix, c'est mix, c'est mix. Moi je pense que c'est meuf, il fait du 38,5. Non, les Pumas c'est des 39 déjà, donc celle-là. 39, pardon. Enchanté, Branca. Oh, petit Boris. Ça va? Oui. Non, mais là, il ne sert pas trop la main, il ne sert pas la main trop bien. Il va tomber. Arnaud, là, c'est pas de saison. Arnaud, excuse-moi. Arnaud, excuse-moi. Trop cool. C'est Thibaut Jacquel. On dirait, tu sais, quand le médecin. C'est Thibaut Jacquel. Thibaut Jacquel. Chut, chut, chut. Il ne court pas, mais il est là. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a tenté de les extérieurs. Il y a des soupçons sur l'affaire. Ah ouais? Bah ouais. Zinc. Ouais. Vas-y, c'est pas le mail. Comment t'as celle-là? Mais celle-là, c'est à moi. C'est à toi, ça? C'est à moi, j'ai pris les deux. Il y en a une autre? Non, j'ai pris les deux, il n'y a pas ta taille. Comme par hasard. J'ai essayé de gérer un truc. Comme par hasard. Si, je suis content. Merci. C'est le jour de quoi? C'est le jour de paix. C'est le camp de nuit, toi aussi? Il va falloir que tu bottes avec lui. Ibra, il y a une relation. Moi, si j'ai oublié mes crampons, tu peux me les prêter pour un enseignement? C'est là? Ouais. Pour ce soir? Vas-y, t'inquiète, fais-moi un mot et je. Merci, tu l'as glacé. C'est un putain de gars, gros. Je dis ça. Frérot, si tu l'as vu, il faut te botter avec. Ceux-là, ils sont violentes. Après, elles font un peu homosexuel. Mais moi, je préfère les homosexuels sur le terrain. Elles sont incroyables. Après, c'est plus mal. Ah, c'est incroyable, mais. Elles vont avec ceux-là? Non, non, ça, c'est une autre. En général, mais c'est vas-y, c'est ça taille grand, ça taille grand, frérot, t'inquiète. Ou t'as celle-là? J'aime bien les deux, moi. Tu connais les coloris excentriques, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que toi, t'es un peu trop excentrique. En vrai, tu sais quoi ce qu'il faudrait faire? Un peu. Ce qu'il veut, Todd. Tu veux pas te faire ban, toi? Ce qu'il veut, Todd. Tu imagines le pignaton avec ça comme ça? Une pied droit, une pied gauche. Pignaton en tennis ballon avec ça, c'est la fin du. Pignaton, tennis ballon, j'arrête. Ouais, j'arrête tout court. Mais gros, c'est pas la ça te va bien. Là, je fais taper, mais j'ai dégradé plus que d'habitude. Ah, il a fait un burn face. Il a un burn face. Un burn face. Putain, il a un burn tout. Ça a brûlé. Il est burn. On va mettre à des flammes. On va mettre à des flammes. C'est un barbecue. Je vais quand même pas vous patate devant la caméra, gros. Bon, je vais faire une petite raie sur le côté. Ça vous choquera moins le fait que j'ai de la calvitie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D, d'ailleurs. Hein. À la base, c'était moi et Yves. Bah, à la base, c'était moi et Yves. Au début. Tu te rappelles les débuts? Bah ouais, c'est hyper un but. Mais depuis quand, c'est ça? Sans venir, il aurait marqué triplé, sinon. C'est pas grave. Bah, je t'y bats. Wesh. Wesh, le père Fouettard. La journée était dure. Il a quand même. Eden Park. Et là qui va là. Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle est dure la journée, frère? Ça va bien pour moi quand même. Je pense qu'il est rentré. Moi, tu vois, ça va bien. La Pulisic, tu aurais eu urgence. On m'a dit Pulisic. Pulisic? Pulisic. Pulisic. Merde. Ah, tu as prêté qu'une seule? Ouais. C'est un fou, j'ai rien prêté du tout. Ah, tu vas les prendre. Ah, ouais, t'es pas gâché, les gens. Ah, t'es un gars. Faut ta semelle. Oh, bah, enfin, je sens qu'il va se passer des trucs. Fais-moi une aile de pigeon en clap d'entraînement. C'est parti pour l'entraînement. Fais-moi une aile de pigeon dans la caméra. Viens là, viens là. T'as vraiment, ouais. T'as vraiment, ouais. T'es prêt? Aïe, putain. Call me Bucky Luke, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How I look rapping, conscious but he ignorant. How he found the hood but still won't go legitimate. How he fuck a bunch of but they still respect the women. He's the rolling, it's another. He just got the windows tinted. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. In my vibe, man, get your man, I like your superstition. You can't have my phone number, let's be running up the digits. Let me meditate, I just need a couple minutes. Got a low boat, my girl hold this to the big ass. When I get high, I ain't looking.
making up the clock, still falling like rock. Yeah, I'm headed to the bus, then I'm falling like yeah. I ain't looking at the clock, still falling like rock. When I get high, meditate, then I celebrate, tryna get the cake. I don't take a break. Yeah, wait. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Go on out at John and Venice, I told Quentin I'll be late. Hey, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my feet up in the building, bending like a when I get high. I ain't looking at the clock, still falling like rock. Yeah, I'm headed to the bus, then I'm falling like yeah. I ain't looking at the clock, still falling like rock. When I get high. Wesh, comment il va? C'est pour le du coach? Je connais, hein. Serviable. Serviable. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais. Tu mets un, je porte plainte. Ouais. Je veux plus ma tête sur SD. Ça y est, y'a plus ta tête là. Fini zinc. Ta coiffure, c'est fini. T'as dit deux semaines par contre. Hein? T'as dit deux semaines. Non, à vie. Non, mais t'as dit deux semaines là que la coupe. Non, je garde plus de coupe. Y'a plus de coupe, y'a plus d'SDB. Y'a plus de clap. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. C'est ici le stop. C'est ici. Vas-y, monte, on va ensemble. Bonjour. C'est là le camionnette, la camionnette. Bonjour Shafik. Wesh, vite tâter. Mon gars. Vite tâter. Oui. On l'a protégé. Putain, vous êtes en place ici en fait. Tranquille, c'est Ibra, non? C'est la nouvelle voiture Ibra? Ouais, c'est Ibra encore. C'est ta nouvelle voiture, là, Jean. C'est Ibra, il a dit. Il te l'a offert. Il a juste dit que vous êtes en place. Toi, tu dis c'est Ibra. C'est à quoi, ah, tu te rappelles du match de la semaine dernière ou pas? Enfin, Non, laisse. Non, pas de la semaine dernière, ça. Il y a deux semaines, non, laisse. Non, je voulais pas parler de ça. De sa réunion. Semaines, du match à domicile contre sa réunion. C'est vrai qu'on va se porter le. Non, mais est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Ouais, je m'en rappelle. Ah, il faut en parler quand même. T'as mis deux buts, une passe des ça. Oui. Oui. Fais que lui. C'est un narcotrafiquant. Ouais. Oh, le luxe, ça paye. Hein. T'es dans trop, mec, de la cahier, lui. T'es étonné. Mets les lunettes. Ah, c'est ce qu'il a. Devine ce qu'il a dit quand t'es arrivé. Hein. Il a vu la voiture. Il a dit, wesh. C'est un narcotrafiquant de lui ou quoi? Aïe aïe aïe, ça paye le luxe. No word. Encore une fois, merci. Désolé. T'es en forme? T'en penses quoi de la nouvelle Coupe d'Ami? Ça va, c'est mieux comme ça que. C'est mieux que. Hein. Chenopol, hein. Que quoi? Chenopol. Chenopol. À l'accent Chenopol. T'en rappelles du match à l'étoile ou quoi? Ah, c'était bien passé, hein. Mais c'était chez nous, là c'est pas Paris, il fait froid. On est sur une mauvaise série en plus. Part en combi. Mais non, mais ça nous va pas, nous, le bus. Ah, le bus ça va pas. Le bus ça marche pas. Quand on est trop à l'aise, c'est mort. Oh, y'a un autre combi ou ouais, y a un autre combi, Mais il vient là ou pas? Non, il vient pas. Mais il vient pas, bah voilà. Pas à pied, frère. Vas-y, laisse-moi monter. Moi. Il manquait Michel, je sais pas comment il s'appelle. Qui ça? Mika? Mikey. Voilà le changement. Oh, elle est mieux. Oh, je suis renta. Ça va, boss? Ça va. Tranquille? Ça va bien? Ça va pour toi? Oh. Ah, tu viens derrière, c'est comment? Non, tranquille, je dis bonjour. Va devant. Ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Ça va, Carlos, bien? Ça va, ouais. Ouais, il est bien le combi là. Oh, Carlos, wesh! T'as pas voulu fermer, Max? Boss? Ça, le boss? Ça va ou pas? No world, ça va? No world. Putain, on est bien ici. On est bien accueilli ici. Elle est bien la camionnette là. Vas-y, bon voyage, les gars. One eternity later. Bah, ramène-la, Dan. Tourne la caméra. Tourne la caméra, coupe le son. Retour aux sources. Retour sur ton terrain.
c'est pour toi, ça, Max. Qu'est-ce que t'aimes bien, là? Oh, la scène de souris muse. Comprends que tes joueurs comme... Tiens, mais non, il sait l'animal, hein. C'est ouf, il a créé une photo, ça. C'est un baiser, ça, c'est un durable. Vas-y, laisse-moi tranquille, me touche pas, je veux que je sois. Ah. Attends. Ah, par contre, je crois qu'il veut vraiment t'envoyer à chaque fois. Il a acheté une paire. Ah, pour... pour aller avec le truc. Ouais, voilà, et tout. Oh, oula. Ça fait longtemps que t'es pas venu ici, hein. Ouais, ça doit faire quoi? 5 mois? Ouais, 5-6 mois. 5-6 mois avant de signer au Lyx. Dans le jardin, tu connais. Oui, il a appris. Prends-les, hein, ces deux rappeurs. Il veut vous faire, comme par hasard, les seuls noirs du groupe, ils lui sont. Ah, il manque qui? Ouais, c'est un raciste. C'est un raciste. C'est un raciste. C'est vrai, ça. Mais Baradji, c'est vraiment un clip de rap, là. Ah, lui, non. Oh, Baradji, va au milieu d'eux. Baradji? Va au milieu d'eux. Tu fais un juste faire le truc de vrai. Hein? Ce qui est le plus blédard de nous deux. C'est lui, après tout le monde le sait, c'est lui le vrai blédard. C'est moi, c'est ça. C'est lui le boss. Juste à sa tête, ça c'est un bel homme. Froid. Hein. Black, nos pantalons. On dirait pas des colons. Hein. Voilà, ils sont tout transparents. On dirait une seconde peau. Voilà, ouais, je sens tout le vent. Froid. Hein. C'est fou. Ah, dis-lui, il a rien de faire Neymar au milieu de terrain. Il veut que tu lâches la balle. Ouais, tu sais que... Ah, lâche ta balle. Ouais, il fout ta gueule. Ma gueule, je te jure. Ouais, bah, tu sais très bien ce que tu dois faire maintenant. Tu dois aller frapper. Tu te rappelles le match passé? Il a pris la balle, il a voulu dribbler tout le monde. Il a perdu la balle, on a pris 8. Tu te rappelles ou pas? Non. Bah, dernier match, quand on a joué contre 3. 3? Ouais. Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il il parle depuis une heure, qu'est-ce qu'il raconte, gros? Il dit qu'il a envie de frapper. Frapper Chafi. Ah oui, ça. Tu sais que Chafi, je crois, il veut t'envoyer ça. C'est qui le professeur? Ibra, il va me coucher, ça. Hein? C'est sûr, il va regarder la vidéo, après, comme par hasard. Un petit dégueu, ça va tomber. Je demande à Julien un petit un barbecue, là. Hein? Un barbecue. Ah, du plus jamais un barbecue. Donc, j'imagine. C'est vrai qu'il y a un sacré barbecue. Il a un problème, alors. Mais un problème, c'est la fois. Tu peux pas faire le crâne de... Non, il peut plus rentrer dans le... Non, il peut plus rentrer. Si, genre. Ah, bah, si, il va troller dans la main. Il a le logo, c'est moi, je l'ai arraché en plus son logo. Voilà, comme ça tu rentres dedans. Bah non, bah il faut que tu le tiennes maintenant, tu peux plus. Tiens-le comme ça. Hein. Vas-y. Ah, ouais, fais ton clap et je le tiens. On fait en 3D. C'est quoi le clap? C'est quoi aujourd'hui? C'est. Il sait même pas quoi tu sa réunion USTL. C'est parti? C'est parti. Nous, quand je parle d'intensité, d'accord, c'est surtout aussi d'efficacité. Là, c'est pas partir à bloc dans tous les sens, putain merde, ok, non, il n'y a pas de pression, on construit notre match, on est intense dans les zones de vérité, on est efficace dans les zones de vérité. Aujourd'hui, c'est un match, une mission, d'accord. Non, ce soir, on ne parle pas de montée, d'accord. Ce soir, on parle de casser une spirale, d'accord, où on est sur deux défaites en championnat. Donc déjà, c'est la première mission. La deuxième mission, en fait, pour ça, c'est pas prendre de but. Si on ne prend pas de but, si on n'en marque pas, on casse la spirale. D'accord. Et après, forcément, avec nos qualités, avec notre intensité, avec notre intelligence et l'efficacité, on va pas se priver de leur faire ce qu'on a fait à l'aller. D'accord. Ok. Mais ce soir, il faut avoir une grosse réaction d'orgueil collectif, tous ensemble. Allez, mec, on y va.
Yeah.
Tout en supériorité numérique et malgré leurs efforts, les Bleus doivent s'avouer vaincus par une équipe de Thionville qui a su renouer avec la victoire. Pas mal de déceptions au final parce qu'on joue quand même une bonne partie du match à 11 contre 10 avec ce but de retard. Alors on revient un petit peu de loin parce qu'on était en difficulté la semaine dernière. J'avais demandé aux joueurs d'avoir un état d'esprit irréprochable, d'avoir de l'engagement et de la détermination. Aujourd'hui, je ne peux pas trop leur reprocher cet état d'esprit-là, bien au contraire. Maintenant, il a manqué pas grand-chose. Ce but, je pense qu'on aurait mérité, notamment en deuxième mi-temps, vu les occasions qu'on a eues. On n'a pas su être tranchant dans le dernier geste. Donc aujourd'hui, on va s'accrocher sur le mieux dans l'état d'esprit, en attendant des jours meilleurs, en tout cas si on garde cette volonté-là, il y en aura des jours meilleurs. L'équipe de Thionville, fidèle à elle-même, hein, je pense que sur le papier, il y a une équipe pour monter. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Alors ils étaient en proie au doute parce qu'ils étaient sur deux défaites de suite. Je regrette simplement le but qu'on prend en première mi-temps parce qu'on relance la machine. Mais c'est sans nul doute une équipe qui sera au-dessus là, en fin de saison, et je pense que sur leur parcours jusqu'à maintenant, c'est amplement mérité. C'est la satisfaction de pouvoir avoir pu garder le score jusqu'à la fin dans un scénario de match qui s'est rendu un peu compliqué avec l'expulsion de Jérémy. Donc voilà, c'est bien, on avait besoin d'un match pour se relancer et refaire corps tous ensemble. On voulait casser cette spirale de défaite, pas prendre de but. Après ici, c'est jamais facile de venir s'imposer. Donc voilà, on a coché à peu près toutes les cases et j'espère que c'est un match référence pour la suite de notre championnat. Non pas dans la manière, parce qu'après à 10 contre 11, c'est difficile de pouvoir faire beaucoup de choses dans le jeu. Mais dans l'état d'esprit, je pense que c'est un match qui va faire du bien à tout le monde. Sarre-Union, c'est une bonne équipe. C'est une équipe après qui avait comme plan de jeu de nous attendre. Ils nous ont attendu milieu de terrain, donc certainement pour spéculer sur des attaques rapides, puisque on est une équipe... qui avons l'ambition de prendre le ballon et de développer du jeu. Après, c'est pas facile sur ce terrain-là d'en développer aussi, parce que c'est assez gras, assez bosselé. Donc après, forcément, en ce qu'on dit, c'est eux qui ont pris la possession et ils auraient pu égaliser, parce qu'on a eu quand même un petit peu de réussite, en plus de la bonne partie de notre gardien. Mais voilà, sa réunion, on connaît, on sait que venir gagner dans ce stade-là, c'est jamais anodin, et vous gagnez que si vous faites un gros match. Donc ça donne encore plus de corps à cette victoire-là. Et voilà, on aura fait deux matchs contre cette année, on aura pris 6 points. Maintenant, la route continue pour les deux équipes et la route est encore très longue. Donc je pense qu'il n'y a pas d'enflammade de notre côté, comme je ne suis pas trop inquiet pour eux pour leur fin de saison. Un petit mot, les gars. C'est super que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un nouveau départ. Et pour vous montrer à quel point je suis heureux, c'est doublé. Okay. USTL.
retrouve la semaine prochaine. On marche contre qui? Contre Metz. C'est honteux. Contre Metz. C'est parti.